Ah, je me suis très bien amusée. C'est la deuxième fois que je joue à Turin et c'est vraiment très beau public. Les gens sont très chauds ici. Dans mes chansons, j'aime parler des problèmes sociaux en tant que femme. J'essaye de me faire entendre en tant que femme, mais dans la douceur, avec beaucoup d'amour. C'est l'amour qui me pousse à parler, à dire des choses que certaines femmes ne peuvent pas dire ou des enfants qui ne peuvent pas dire. Nous, on doit être la voix de ces enfants-là et de ces femmes qui sont chez eux et qui ne peuvent pas être là où nous sommes ce soir. Je pars toujours avec la base de la musique traditionnelle de mon village. Hein. Et de Bouni, Sikasso, tout ça, jusqu'à Wassoulou, vers la Guinée, c'est les sonorités pentatoniques qu'on entend, qui paraît très, très vieux. Très riche par rapport à ça, il y a beaucoup de styles musicaux, donc ça c'est bien. Et du coup on a utilisé voilà la musique pour se défendre quoi. Ça va beaucoup mieux parce qu'après Maliko, il y a eu beaucoup d'artistes qui se sont mobilisés pour pouvoir défendre le Mali. Donc la guerre du Mali a été une guerre incroyable parce qu'on a refusé les armes. Notre arme a été la voix, les guitares, les ngoni, les kamlingoni, les balafons et les djembe. On a joué, on a chanté. Jusqu'à présent, les artistes chantent. Ils chantent, ils demandent la paix. Dans le monde entier, ils demandent la paix dans le pays. Et ils se sont défendus pour que notre culture reste, parce que c'est la seule chose qui reste aux enfants africains. Si on nous enlève ça, ce serait là le carnage, quoi. Parce que la musique permet aux gens de garder de l'espoir. C'est la voix de Dieu auprès des enfants africains. C'est de l'espoir. Donc la musique doit exister, elle doit continuer pour tout le monde sur la terre. The next song is called Soa. Soa is about every people who never grew up with their genetic parents. That can be war, children, and also kind of adoption children. In Africa, we have a kind of adoption. So I call those people who don't know what means, you know, the love from their genetic parents. I call them Soa. Thank you. Damon est mon, je sais pas comment le dire, mon ami spirituel. Oui.
parce que Damon, on se sent bon. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible. D'accord. Et moi aussi. Donc même à travers le silence, on peut communiquer. D'accord. Et on a ce truc-là en commun. D'accord. C'est mon ami spirituel dans l'amour, enfin, par rapport à son âme, sa spiritualité et sa générosité. Parce qu'un vrai artiste est quelqu'un qui est généreux. Quand t'es pas généreux, c'est la musique seule ne suffit pas. Ouais, bientôt Inch'Allah. Je viens de terminer un tournage avec un réalisateur malien. Donc, Inch'Allah, dans quelques mois. Merci à vous.